On vibe chacun de notre côté sur à peu près ce qu'on s'est dit autour d'une discussion sur comment on voyait, comment rendre notre collaboration et notre manière de voir Paris, notre manière de voir Berlin matérielle, on va dire. Donc on a bossé sur une partie des sons, sur une partie des sons un peu juste sur des impressions, on va dire ça comme ça. On leur a passé juste pour qu'ils se vibent dessus. Ils ont filmé des trucs, ils nous ont montré les images et on a revibé dessus quelque part avec les sons. Et le travail de montage, il va se faire vraiment comme ça, à savoir qu'à un moment donné où moi, par exemple, je déstructurerai tel son, ça collera peut-être à un moment de l'image précis, etc. Et on va vraiment essayer, en tout cas nous musicalement, ce qu'on a voulu vraiment apporter là-dessus, c'est qu'en général, un projet comme ça, si tu mets qu'un morceau sur tout le truc, qu'un morceau avec des bruitages, etc., tu as un thème et un truc, ça ressemble quelque part à un clip ou à un court-métrage avec un son. Là, le but, c'était vraiment une collaboration de musiciens à vidéaste. Et du coup, on s'est dit que plutôt que de mettre un thème, une musique et des bruitages, c'est vraiment de créer une œuvre musicale complète avec chaque moment où on peut avoir une vibe, une expression différente, l'illustrer par un son différent complètement. Vous avez justement, il y a un fil conducteur qui revient. Il y a un fil conducteur, c'est si tu veux, dans la. C'est l'évolution de deux personnages. In our work, we work a lot with found objects and we combine them into costumes or into performances. So it's mostly us acting in costumes in different characters. So we developed a character for the city of Paris and another character for the city of Berlin. And it's a short journey that they take, basically.